Et salut à tous, c'est Darkmania, je vous retrouve pour la suite de notre aventure sur Marvel Super Héros. J'espère que ça va et que vous êtes prêts à devenir un true bodybuilder. On est parti. Au large de la presqu'île de Manhattan, le pénitencier de Rikers Island abrite le quartier d'ultra-haute sécurité, connu sous le nom de Raft. Si vous cherchez les pires super-vilains au monde, c'est ici qu'il faut chercher. Mes capteurs détectent des mouvements de l'autre côté de ce mur. Fracassez-toi, Bambo! Hulk, lâche-le! Tu devrais savoir qu'il est de notre côté maintenant. Même s'ils sont le fauve, je te l'accorde. T'étais pas censé être au Canada pour enquêter sur ton passé? Dans le sabre est ici. Chuck m'a dit que Fatalis a convaincu la confrérie des mutants de l'aider. À quoi faire? C'est parti mon kiki pour la suite. Alors, on va démolir ça d'abord pour commencer. Voilà, 1 sur 5. On n'est pas sûr, je suis pas sûr d'avoir de les avoir tous dans ce niveau. On va voir. Et bien sûr, évidemment, notre objectif principal, hein, devenir un true bodybuilder, hein, comme dans tous les. Dans tous les niveaux d'ailleurs, notre objectif principal, ce sera de devenir un true bodybuilder. Alors, c'est pas compliqué. Je sais pas s'ils arrivent à la chaîne. Ouais, ils arrivent à la chaîne. Donc voilà, on va attendre. Hein, x3. Hop. On va prendre notre temps dans les niveaux. Quitte à faire qu'un niveau par vidéo, parce que c'est vrai que les vidéos sont très longues, j'ai remarqué 50 minutes. Mais il m'énerve ce Hulk là. Il m'enlève tous mes x3 là, c'est pas bon. Il m'enlève tous mes x3, monsieur Hulk. Avec votre force. Voilà, voilà. Bon, allez. On va continuer. On va démolir tout. Voilà, j'ai pas eu le temps de démolir tout. Voilà, il y en a un. Non, c'est pas Hulk. Ok, alors hop. Allez, on va aller faire un petit truc avant. Je vais vous montrer un petit truc caché dans le niveau. Ici. De débloquer déjà, c'est pas mal.
Alors, hop. Je vais essayer de pas tomber. Et de le faire bien. Voilà, ça c'est bien fait. Avec la bonne personne, tu devrais pouvoir creuser ici. Oui, oui, je sais. Merci. Mais là, je suis en train d'essayer de d'avoir des pièces, hein, de l'argent, des pièces. Voilà. Alors, ensuite, lui, on va creuser. Creuser, pardon. Ah, mais Hulk, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a écrasé les trucs. Hop, on va reprendre les piécettes. Démolir ça, hop. Hop. Là, c'est un animal de mon ami Valveline. Hop. C'est parti, on monte. Ici, on récupère plein de pièces. Hop. Ok. Ici, je crois qu'il n'y a rien à récupérer à part 3 pièces. Ouais, ça va fermer, c'est pas grave. L'occasion de voir qu'il y a un truc là-bas, là. Une bouée là-bas. On récupérera la bouée après. Hop, on va activer ça. Changer de personnage, je pense. Allez. Allez, laisse-moi entrer. Non, c'est Hulk. Hulk. Hop. Hulk. Allez, monte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il a déclenché l'alarme. Haute sécurité, donc. Alors, bon. Vous voyez, c'est ce genre de phases qui sont énervants dans ce jeu. Oui, est-ce que je peux prendre Spider-Man? C'est ces petites cinématiques que je trouve qui ne servent pas grand-chose. Hop. Voilà, ça c'est joli ça. Vous voyez, c'est le genre de petits cinématiques, ça ne sert pas à grand chose, je trouve. Me dites pas. Oh putain. L'IA est totalement à la masse dans ce jeu. Je pense qu'il faudrait qu'ils revoient. Faudrait qu'ils revoient leur IA quand même, hein, parce que c'est ça va pas. Voilà. Il monte pas. Ouais, faudrait qu'ils revoient leur IA parce que l'IA a tendance à tomber comme ça. À faire un petit peu ce qu'ils veulent. Hein. Il a tendance à faire un petit peu ce qu'il veut. Hop, allez, on défonce la porte.
Voilà, on défonce tout là. Ici, hop. 4 sur 5, alors je sais pas où est le dernier. Peut-être l'autre côté. Ouais, Oh non, tu rigoles là. Oh là là, sous de ma gueule. Ah bah il est là. Ah bah j'ai bien fait de remonter. Il est là. Je l'avais pas vu celui-là. J'ai bien fait de... Ouais, saute, s'il te plaît. Voilà. Hop là. Voilà, on ramasse les piécettes, hop. Alors ici rien que plus simple, hein. Hop, on ouvre ça comme ça. Rien de plus simple. Allons à l'intérieur. Rien de compliqué, je veux dire. Avec un magnétisme énorme. Eh ouais, c'est comme ça que j'ouvre ma porte tous les matins. Eh ouais. Allez. Au moins on aura eu deux... Oh, j'oublie le nom à chaque fois. Là. Alors, ramasse les pièces, hop. Oh putain, il m'a fait un vol pan. Oh, plané, oh là. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je parle plus français, c'est un truc de dingue. Alors, hop. C'est bon, on a tout pris. Là, il y a une porte, je sais pas comment on fait pour l'ouvrir celle-là. Vraiment pas. Allez, c'est parti. L'ennemi juré de Spider-Man. De... Non, pas de Spider-Man, non, je dis n'importe quoi. Attention, oulala. Je commence à dire n'importe quoi. Non, non, de Iron Man, pardon. Ah non, si je commence à dire n'importe quoi, vous allez pas être d'accord avec moi. Je vais me faire des ennemis si je commence à... C'est trop marrant comment Hulk sauvegarde quoi. Appuie sur le bouton. Ok. Ah mais il y en avait un autre ici là. Une bouée là. Le leader. Ouais, ce genre de petite cinématique ne sert à rien quoi. Et ça, ça... J'ai l'impression ça, comment dire, ça... Je suis enfin libre pour pouvoir... Ça vous freine dans ce que vous faites en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça vous freine dans votre élan. Allez. Le fléau. Ah. Allez, venez là. Je mets la tôle, moi. Je suis Hulk là, qu'est-ce qu'il y a là? Problème. Alburide. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, le bug! Oh non, le bug!
Ah non, je fais comment là? Oh, j'ai bugué. Oh là là, j'ai carrément bugué là. Oh, je fais comment? Merde. Merde, comment je fais pour revenir dans le niveau? Attendez, comment je fais? Option. Extra, non, ça c'est pas ça. Ah non, comment je fais là? Quand... Ah là là, c'est quoi ce bug? C'est un putain de bug. Merde, on peut pas charger la partie. Merde. Ah bah voilà, bah je suis mort, c'est pas grave. Ça va me remonter là. Oh là, c'est quoi ce bug? Oh putain. C'est quoi ce bug là? Alors là, il est beau celui-là. Il est vraiment beau celui-là. Quel beau bug! Oh là là, encore un bug. Ça, on a un peu compris. On s'en fout un peu ce qu'ils sont en train de nous montrer un petit peu. Des fois, ils nous montrent des séquences. Voilà, vous voyez, on est encore freiné dans l'action. On est encore freiné dans la dans l'action. Ah ouais, le bug de l'année là, je crois. On a eu le bug de l'année. Et je décerne le plus beau bug de l'année à... À ce jeu. Ah, c'est pareil, il y a un poisson là, mais je sais pas comment faire pour l'avoir, c'est peut-être plus tard. Voilà, je sais pas comment on fait pour l'avoir, c'est peut-être avec lui, non. Non, je sais pas. Ça a bugué en tout cas. Allez. Tiens. Voilà. Quoi? Quoi? Hé, moins de bruit. C'est pas encore l'heure de se lever. Excusez-moi, je ramasse les piécettes. Hop. Et on va l'ouvrir. Salut. Ah là là, sacré. Allez, bon voilà. Ramasse les petites piécettes, hop. Non. J'ai l'impression qu'il y a des trucs là-haut là. Ah, je peux pas monter, d'accord. Là. Alvéry, on a besoin de toi. Voilà, comme ça qu'on ouvre la porte. Eh oui, chez moi aussi, j'ouvre ma porte comme ça. Eh oui, j'ai plein de magnétisme, c'est moi aussi. Hein. J'ai plein de...
Ah oui, oui, non. Il y a plein de façons d'ouvrir mes portes. Ah mais il est là l'enfoiros. Alors, hop, on va tout démolir. On va être trop bodybuilder. Hop, dégage. Voilà, merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci, merci d'être venu. Voilà, hop. Hop. Voilà. Cette machine devrait localiser ton... Alors, hop. Ça, c'est un pauvre petit gardien. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, Stanley. Ouh, Stanley. Ah bah voilà, dans le table. Oh, Fouaus. Maintenant, on sait à quel étage il est. Jarvis, peux-tu prendre le contrôle de l'ascenseur? Il faut qu'on y aille maintenant. Très bien. Ouais, Jarvis, dépêche ton cul. Est-ce que je peux détruire ça? Ah non, je peux pas. Bonjour! Merci d'être venu. Ouais, bon, bah on y va. Hein. C'est parti. Vous arrivez pile poil pour la grande évasion. Les super vilains sont partout. Super vilain, dites bonjour à ma super armure. Oui, cette armure. Je m'en vais l'arranger un peu. C'est moi ou il fait un peu frais ici? C'est moi ou il fait un peu frais ici? Ah putain les Lego. Allez, c'est parti pour faire les x5, les x10. Pour info, j'aurais pu débloquer le x2. La fameuse... brique rouge x2, mais bon, j'ai préféré économiser de l'argent. Mais je pouvais. Il faudrait lancer quelque chose de lourd sur Dan Sabre pour le neutraliser. Quoi, je dis ça, mais attendez, c'est peut-être pas dans cette partie là. Parce que j'ai dû recommencer une partie pour faire cette partie là. J'ai dû recommencer une partie, donc voilà quoi. Eh oui, j'ai dû recommencer une partie, bon c'est pas grave hein, de toute façon. J'aime bien ce jeu moi, donc pas de problème là-dessus. Alors... Vous voyez, ce genre de cinématique ne sert totalement à rien, à part de freiner les joueurs dans leur élan. C'est comme si qu'on vous coupait... qu'on vous coupait... Certes, il n'y a pas de temps de chargement, mais j'ai l'impression que ce qu'on voit à l'écran sont des temps de chargement.
Eh, trop body beurre, mon gars. Eh ouais, ça y est, on est trop body beurre. Mais bon, ça va pas empêcher de continuer à ramasser les pièces. Oh, hop. Oulé. Allez, on a l'impression que pendant que la cinématique se met en route, on a vraiment l'impression que ça charge, le jeu charge. Donc à mon avis, c'est des plus l'impression que c'est des temps de chargement cachés. Et c'est un peu ennuyeux, vous voyez, pour pas être vulgaire. Je crois quand même les piécettes, c'est important. Allez, c'est fini. Merde. Plus rien ne pourra nous arrêter. Ouais, ouais. Vous voyez, encore un truc qui ne sert à rien, par exemple, ça, voilà, ça ne sert totalement à rien. Ah ouais, ce genre de cinématique ne sert à rien. Part de nous ralentir dans nos actions. Parfois j'aimerais pouvoir me régénérer aussi, un peu comme toi. Eh oui, c'est la vie. Voilà, on va creuser là. Hop, on va monter à l'échelle, ramasser toutes ces petites piécettes avant d'aller là-haut. Hop. Très important, hein, même si on est déjà trop body beurre. Quand je compte faire aussi le monde libre en vidéo, donc c'est très important d'avoir toutes ces petites piécettes pour qu'on puisse débloquer les personnages. Vous ferez une petite vidéo peut-être aussi à la fin. Où je vous montrerai tous les... Non, c'est pas ça. Allez, hop. Que je vous montrerai tous les personnages du jeu. Allez, c'est parti. Un Spirg. Hop. Et on le frappe. Hop. Voilà. Petite cinématique qui ne sert à rien, encore une fois. À part nous montrer qu'ils sont en train de démolir
Hop, prends un peu d'argent. Voilà, hop. Alors ici. Je vais être obligé de prendre Hulk. Oh là, oh là, Hulk, il a un peu pris de partout. Tu peux calmer tout ça là. Hein? Allez. Voilà, Hulk démolition, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Hop. Donc les ennemis, je pense, j'ai l'impression qu'ils arrivent à l'infini. Il n'y a pas de... Voilà, hop. Hop, 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 hop. Alors là, est-ce qu'on peut démolir les trucs? Non, il n'y a rien à démolir d'autre. Okay. Ici, hop. On va démolir ça. On va, hop, 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 prendre les petites piécettes. Toujours, hein, dans ce jeu. Hop, ouvrir le canon. Le deuxième canon. Et voilà. Le Hulk là, il est un peu occupé là en bas. Et on va lui faire un spear. Voilà, hop. Et on va se battre. Allez, c'est parti. Allez, Hulk. Montre-lui la force. Voilà, voilà, ça c'est bon ça. Tiens. Dans les côtes. Avec un petit bullet time quand même à chaque fois, c'est bien gentil, mais bon, hop. Alors ça on va démolir parce que là hop il sert à rien. Hop. Ah, ils arrivent à l'infini eux. Bon c'est pas grave, on... ça nous fait des pièces hein. Oula. Voilà, bon. On va monter là-haut. Bah là j'ai bien vu qu'il y avait un truc mais on peut pas l'atteindre avec avec lui. Faudrait on peut l'atteindre qu'en mode libre. Donc voilà quoi. Qu'on fera, que je ferai évidemment. Avec plaisir, parce que j'adore ce jeu. Franchement, je suis admiratif par rapport à ce jeu. Vraiment admiratif. Alors on a ouvert. Il y en a 3, mais il y en a 2 que j'ai manqué, mais je peux pas les avoir. Je peux pas les avoir, donc on fera ça en mode libre. Allez, on va en finir avec lui. Allez, c'est parti. Allez! Tiens, foireuse! Eh ouais, pas content, Hulk.
Quelle affaire? Qui d'autre s'est échappé? Je sens l'odeur d'autres super-vilains ici. Le mandarin, Crâne Rouge et... Loki, où est Thor? À Asgard. Il faut qu'on le prévienne. Et voilà, on a terminé le niveau avec Tony Stark sous vêtements. Ah ouais, carrément. Wolverine, waouh. Abomination qu'il faudra verrouiller, évidemment. Ça, pareil, dans le sable qu'il faudra verrouiller. Et puis, bah, ouais, vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai dû recommencer le jeu. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, hein, je suis un true bodybuilder. C'est l'importance. Voilà, bon, bah, ça fait 36 minutes. Je vais éviter de faire des vidéos de 50 minutes. Parce que je pense qu'il y en a d'entre vous qui n'arrivent pas à suivre. J'ai remarqué ça. Donc, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Ça veut dire que je vais peut-être faire un niveau. Par niveau seulement parce que c'est vrai que je vois que 50 minutes ça fait peut-être un peu trop pour certains et je peux comprendre évidemment, surtout qu'on a largement le temps de le finir puisque les prochains jeux n'arriveront qu'à part Halo Space Assault qui arrivera la semaine prochaine normalement si tout va bien. Sinon il n'y aura pas d'autres jeux avant le mois de janvier. Donc c'est vrai qu'on a tout le temps pour finir ce Lego Marvel. Donc écoutez, dans ces cas-là, je vais diminuer les temps de. Mais en fait, si vous voulez, ce jeu est tellement bon, je l'aime, je l'adore tellement que je peux pas m'empêcher de... Je peux pas m'arrêter. Voilà, je peux pas m'arrêter. J'ai du mal à laisser la manette posée. J'ai beaucoup de mal. J'ai envie de continuer, voir la suite. Et le problème, c'est que comme je veux le faire avec vous, voilà, c'est ça le problème. Comme je veux le faire avec vous, et ben... Ça fait que, bah, des fois, voilà, c'est comme ça. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser avec la cinématique de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. Et je vous souhaite une bonne soirée parce que ça sera dans la soirée en général que je poste cette vidéo. Et je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui sont abonnés dernièrement sur ma chaîne, tous ceux qui participent, qui m'envoient des commentaires, qui partagent les vidéos. Merci énormément, merci. Vous êtes, je vois qu'il y a de plus en plus de gens, ça me fait énormément plaisir. Il y a même un Américain, donc je le remercie. Je le remercie beaucoup. Je parle pas trop anglais, donc voilà, mais je le remercie beaucoup du message qu'il m'a envoyé hier, ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup. Donc merci évidemment, encore à Monsieur Thomas qui participe et qui m'envoie beaucoup de commentaires et ça c'est, je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux. Voilà, on va vivre, je pense qu'on va vivre un janvier, une année 2014 magnifique ensemble. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, abonnez-vous si c'est pas fait, n'hésitez pas à balancer les pouces verts si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, je suis à tout oui, voilà. Allez, écoutez, je vous dis à demain, et puis salut à tous. Je vous laisse avec la cinématique de feu. Allez, salut. Bon sang de bois. Faut protéger l'Amérique de Crâne Rouge. Hulk fracassé, Crâne. Hein? Hulk arraché pantalon. C'est pour ça que ma tenue rouge, blanc, bleu est près du corps, mais quand même flexible. Ah, le savoir-faire américain. Je dois poursuivre ma traque. On se recontacte. Ou pas.
Tony, retournons dans la tour Stark pour que tu mettes quelque chose d'un peu plus... couvert. Oh, ça me fait penser. J'ai créé une super tenue l'autre jour. On va avoir besoin d'Iron Man pour récupérer ses briques cosmiques. Allez à la tour Stark pour vous préparer.